Tchou, bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit JLG Parents Live du mercredi. Oui, on l'a dit, hein. Non, le mercredi j'aime bien. Ça fait partie de des choses qui vont rester. Le mercredi à 22h pour moi ou 16h pour vous, quand même. Voilà, on se retrouve en live. Alors, le premier, on a fait un truc un peu putaclic, le deuxième sur le business. Là, le troisième, c'est vrai que c'est le retour de vacances, bien évidemment. Et puis, voilà, de nouvelles choses qui se mettent en place. J'ai envoyé une newsletter au tipeur qui est disponible en public sur Tipeee. C'est-à-dire, si vous allez en Tipeee, JT Geek, Shadow vous mettra ça. Si vous allez sur Tipeee et que vous regardez leur news, elle est ouverte, la news, pour tout le monde. Il y aura, voilà, ce que je demande au tipeur pour ce mois-ci. Puisque je suis le seul mec qui demande. C'est le seul mec qui demande de plus donner d'argent. Le psychopathe. Mais voilà. Donc voilà, on parle un peu de tout ça. On peut parler évidemment de cette émission. Si vous voulez, bien sûr. On pourra parler du JT du Geek, de l'audience du JT du Geek, qui est très très bonne en plus. Hein, et de mieux en mieux. Mais de l'engouement pour le JT du Geek, qui est quelque part. S'il y a de plus en plus de vues, on se rend compte qu'il y a de moins en moins d'engouement, parce qu'il y a de moins en moins de pouces en l'air. Au niveau des types, ça s'est complètement cassé la gueule, puisque je pense qu'il y a beaucoup qui attendent que les autres le fassent. Et on a eu beaucoup de gros tips. de gros tips pour que l'émission soit financée, grâce à certains d'entre vous qui se reconnaîtront. Et bien de beaucoup de petits aussi, mais bon, pas plus d'une quarantaine de tipeurs qui faisaient vivre l'émission. Et le problème avec ça, quand il y a des trop gros types, c'est que à partir du moment où la personne soit oublie, soit ne peut plus financièrement, tout se casse la gueule. Voilà, donc ça fonctionne pas. Et comme je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent en disant ouais, mais ils vont le faire, ça le fera et tout. Et là, évidemment, on en parlera peut-être tout à l'heure ou tout, Jean me disait, mais pourquoi tu fais pas un live en fin de mois pour motiver les troupes, pour racoler, quoi, tu sais, pour mendier. Eh ben non, je ne l'ai pas fait exprès pour voir un peu. Et le constat en est là, c'est que ça marche pas terrible cette histoire. Le concept est pas bon. Voilà, donc on va faire autre chose, on a vu, on parlera de l'anglais, tout ça. Voilà. Donc vous pouvez. Si dans tout ce que j'ai dit, il y a des sujets qui vous intéressent, commentaires. Et là, je remonte là-dessus, et puis je vous dirai, voilà, qu'est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qui s'arrête comme format, qu'est-ce qui reprend, et tout ça, voilà. Bon, vous êtes 9 en ligne, c'est pas mal. Bonjour à moi, bonjour à Wizbot, notre Wizbot, nos petits robots, avec ses bottes. Bonjour à Shadow, notre modérateur, à l'heure, bien évidemment. Modérateur, un peu dominateur, donc faites pas les malins. Hein. Vous serez vite bloqué, banni, tout ça. Alors, vous aurez vu que j'ai changé les commentaires ne sont accessibles que à ceux qui me follow. C'est-à-dire qu'il faut être sur Twitch, ce qui paraît un peu évident, et cliquer sur follow, c'est gratuit et ça peut rapporter gros. Non, ça rapporte rien du tout, mais voilà, pour que vous puissiez. C'est instantané, il n'y a pas de délai, il faut attendre 30 minutes, vous cliquez, avec moi vous me follow, vous pouvez participer au chat, voilà. Je trouvais que c'était pas surmontable comme expérience. Bonjour à Sébastien, merci à Shadow pour les diamants qui sont évidemment éternels et qui font plaisir. Je suis bronzé. Bah non, je suis allé dans. Merci à Shadow pour les diamants. Ding voilà. Non, parce que je suis dans le nord. Dans le nord de la Thaïlande. Enfin, nord-est de la Thaïlande. Je me suis fait tout le nord-est de la Thaïlande. Voilà. Donc, comme ça, 2500 bornes en une semaine. Et bien roulé. Je fais que de rouler. C'est un truc de fou. Mais qu'est-ce que j'ai kiffé. Qu'est-ce que j'adore rouler. J'aime rouler. Et j'aime les films de gladiateurs aussi. Mais ça, c'est un autre dossier. Donc, j'adore rouler. Je passe comme ça. Je suis allé voir Lolo et tout. Enfin, voilà. Vraiment passer un séjour très agréable. En mode temple, en mode balade, en mode. Alors, j'ai mis quand même beaucoup de photos. Je voulais pas. Après, je me suis dit, j'ai quand même pas mal de photos. Je voulais faire des photos, puis les envoyer qu'à ma mère. Après, je me suis dit, quand même, vous êtes tous de la famille. Donc, j'ai mis les photos aussi sur Instagram pour que vous puissiez un peu voir du temple. Par exemple. Bonjour à Vinote TV, Tipeee. Alors merci pour l'hashtag. Voilà, donc j'ai mis la news sur Tipeee, le lien est directement dessus, vous pouvez aller cliquer sur Tipeee et elle est dans news, là où je demande aux tipeurs de ne plus tiper. Il est fou. Je demande aux tipeurs d'arrêter de tiper. Alors ceux qui ont déjà vu le truc, qui ont déjà tipé une fois, c'est bien. Ils arrêtent. On remerciera Sébastien Paulet qui s'est fait son petit porte-avions touché coulé avec ses 5 tipis. Des petits tipis comme ça, vous êtes pendant l'émission, vous voulez faire des petits tipis, il n'y a pas de problème. Ça fait énormément plaisir. Mais des gros tipis en disant j'ai pitié de toi. Si je mets pas les 50, voire 100 balles des fois, qui manquent pour atteindre les 2, voire 3 émissions, eh ben non, ça c'est fini. Je n'accepterai plus. Il faut que ce soit un travail collectif. Donc là, vous avez compris, le JT du Geek,
ne s'arrête pas pour le mois de février, mais ne sera donc qu'une fois par semaine, puisque le mois dernier, on n'a pas atteint l'objectif des deux émissions par semaine. Donc au mois de février, il n'y en aura qu'une le vendredi, donc ça je m'y tiens, il n'y a pas de souci. Le mardi, du coup, je fais autre chose, je me suis remis à l'anglais et tout, tout ça, enfin aux vidéos en anglais. Donc on n'aura qu'une émission par vendredi, pour l'instant le premier palier n'est pas encore atteint, il est très très bas. Je demanderai donc à tous nos tipeurs actuels de ne rien faire d'autre, à part des petits tips comme ça pour la blague de 1 ou 2 euros, ça fait toujours plaisir et c'est sympa, mais pour que ça soit un travail collectif en disant « Waouh, si tout le monde vous dit « Ah ouais, mais c'est vrai, en fait les autres ne vont pas le faire, parce que je les interdirai, et ceux qui feront des gros tips, je les annulerai. » C'est pour de vrai, hein. C'est-à-dire, si vous faites des gros tips, machin, pour vous avez pitié de moi, non, je les annulerai, je peux le faire. Voilà. Donc voilà, des petits trucs comme ça, ça ira bien. Et comme ça, si tout le monde, tous ceux qui regardent la vidéo du, par exemple, du JT du Geek, on est en fait entre 1500 et 2000 vues par émission, et vous avez vu que quand je râle et que je dis il n'y a pas de pouce en l'air, on fait 300 pouces en l'air, et quand je dis rien, on fait 40. Comme quoi les gens sont là, mais voilà. Donc si tout le monde met un peu du sien, et eh ben on remonte à 1 euro par-ci par-là, et qu'on augmente vachement le nombre de tipeurs, et pas 40, tu vois, genre 50, 60, 70, qu'on augmente vachement le nombre de tipeurs, même à 1 euro, on finance la première émission pour le mois de mars, trop bien, et si on arrive aux 300 balles, on financera même deux émissions par semaine au mois de mars avec plaisir, voire trois émissions, et on était en train de discuter, on en parlait beaucoup avec Nico et tout, on préparait déjà un format d'une par jour, c'est-à-dire, on voulait faire un truc une par jour, un espèce un peu, je sais pas, regarder un peu le truc Automoto, là, Automoto Express, ils ont un truc tous les jours, là, j'aime bien, tu sais, Express, parler des news high-tech et tout, puis après on a dit, ah, laisse tomber, on va se donner du boulot pour rien, là, hop, si le Tipeee augmente bien, on ferait ça, et s'il augmente pas, eh ben on reste soit à une par semaine, soit à deux par semaine, soit plus du tout par semaine. Si on n'a pas le premier palier, ben, l'émission s'arrêtera fin février. C'est pas un drame, encore une fois, on aura essayé quelque chose, ça aura pas marché comme beaucoup de choses, mais c'est ce dont on parlait aussi dans l'émission de mercredi dernier. Non, j'étais pas là, mercredi d'avant, c'est que bah, dans l'entrepreneuriat, c'est ça, il faut 10 projets pour qu'il y en ait un qui marche. Peut-être que le JT du Geek n'est pas le projet le plus viable et que ça marchera pas et que je m'acharne depuis peut-être trop longtemps. Ou alors, ça sera peut-être l'élément déclencheur. On verra, on verra ça le mois, fin du mois. Comme ça, vous êtes bien, hein. Ça marche pas toujours à tous les coups. Par contre, l'anglais, ça marche plutôt mal. J'attends que vous évoquiez un peu la question. Content de vous revoir. Eh ben écoute, Jeff, avec plaisir aussi. Je suis content de vous revoir aussi. Hein. C'est vrai que cette semaine de vacances a fait du bien. Voilà. Je suis vraiment parti en vacances. J'ai juste fait mes petits codes promo tranquille. J'ai même pas fait d'article et tout. Parce que là, je reprends dans un rythme d'un article par jour sur le JT Geek. Puisqu'il faut faire ça. Les codes promo, choses comme ça. Le Geek TV aussi, remettre un peu les vidéos que je regarde, hein, que je regarde et je trouve intéressant, les partager un peu avec vous pour peut-être découvrir aussi des chaînes YouTube ou des YouTubeurs ou des concepts que vous ne connaissiez pas, que j'ai découvert comme ça par hasard ou par inadvertance. Et puis voilà, donc ça a fait du bien cette semaine, ça fait l'occasion de me dire, voilà, quand même, oh, alors on n'a pas fait de live, on n'a pas quémandé, on n'a pas demandé, et bon, bah, on s'est dit, ah, JT du Geek, c'est pas passé, mais bon, peut-être parce que c'est pas le bon format, et aujourd'hui, un des formats, on voit, hein, on peut parler aussi de YouTube qui est... Alors, il y en a qui disent que YouTube est en décroissance et tout, mais on voit que c'est un peu un constat général chez tous les YouTubeurs, c'est que, bon, YouTube est quand même vachement monté en qualité. Je sais pas vous, mais moi, toutes les chaînes YouTube que je regarde, le niveau est super élevé. Je mets même pas les grosses chaînes, je sais pas, j'aurais dit, par exemple, il y a une juste geek qui a mis une vidéo comme ça, la qualité est vachement bien, quoi, tu vois, tout le monde a des bonnes caméras, tout le monde a des bons micros, voilà, toutes les émissions sont souvent très intéressantes, voir les vidéos, les reportages et tout, tu dis, le niveau de YouTube a vachement augmenté, mais il y a trop de chaînes YouTube, et même moi, il y a plein de mecs où je suis abonné, je regarde pas leurs vidéos, ça m'intéresse pas. Dans la dernière vidéo de Jojo là qui me parle encore de Instagram et de Facebook, comment a fait Notech, comment a fait machin, je pas regardé, m'en bats les couilles, tu vois. Donc beaucoup font des vidéos que tu zappes parce que tu choisis celles qui sont plus intéressantes. Et c'est vrai que le niveau de YouTube a vachement augmenté. Et si YouTube est devenu pour moi ma nouvelle télé, bah, je sélectionne vachement. Je regarde pas tout le monde, il y a pas mal de chaînes auxquelles je suis abonné, je regarde pas. Je suis abonné à Philippe Cantelot aussi qui fait un truc de vélo, tu vois, aujourd'hui, tu vois, j'ai pas trop le temps, je préfère regarder autre chose. Tu vois, genre Billion, que j'avais été chargé. Mais voilà, donc le niveau a vachement augmenté, et les gens ont plus autant de temps que ça, autant de temps de visionnage, et on le voit, je suis pas le premier youtubeur à en parler, que les stats sont pas bonnes de tout le monde, tu vois, où le nombre de vues est pas génial, on prend pas énormément d'abonnés, Vodka, il en parle aussi dans sa dernière vidéo, beaucoup en parlent en disant, il y a une perte un peu, disons, il n'y a pas une perte de vitesse, mais il n'y a plus une croissance comme ça, où maintenant, vraiment, tout le monde arrive à un moment où ça stagne, et puis bon, bah, les gens deviennent un peu difficiles, il y a tellement de contenu sur un YouTube qu'on zappe de télé en télé et de chaîne en chaîne, c'est le cas de le dire,
et que bah, on n'a plus trop le temps de regarder tout le monde et que le niveau a quand même vachement augmenté. Et il y a un autre domaine aussi qui est vachement difficile pour tous ceux qui sont lancés dans le high-tech. Et vous le verrez un peu, si autant beaucoup ont fait leur gloire et leur renommée en testant des iPhones, force est de constater que tout le monde est en train de changer un peu son fusil d'épaule. Ça veut dire bah, qu'il n'y a plus vraiment de nouveautés téléphones. Ça, c'est mort, il n'y a vraiment plus rien. Ça veut dire que, je veux dire, même Unbox Therapy de cette semaine, sa review de la semaine, c'était un téléphone Infinix. C'est pour prouver qu'il n'y a vraiment rien. C'est-à-dire que les mecs, ils commencent à tester du Infinix. Juste la marque que moi, j'ai découvert le mois dernier, ou il y a deux mois, avec notre première vidéo et tout, qui est vraiment une marque chinoise de base qui ne cherche même pas à s'implanter, qui vend uniquement en export, on ne sait pas trop. C'est-à-dire, voilà, le mec, il a 11 millions d'abonnés et teste du Infinix. La dernière de Marcus Broly, c'était du Oppo. On voit que dans le high-tech, il n'y a plus grand-chose. Et nos gros reviewers high-tech francophones, laisse tomber, hein, ils sont complètement à la ramasse. Où on voit que dans les plus gros youtubeurs que je connais, beaucoup cherchent à changer un peu leur fusil d'épaule. Alors, les smartphones, ah, il est un peu fini, on va essayer de faire autre chose. On voit que dans certains youtubeurs, il y a une tendance qui se met dans la bagnole. Je l'ai vu avec Nico de The Grand S, pas mal sur les bagnoles électriques. Il y a Mac Forever aussi qui fait beaucoup de bagnoles électriques. Marcus Broly qui est en train de se lancer là-dessus en disant ouais, nous on a une grosse caméra maintenant sur sa Tesla S pour filmer les bagnoles et tout. On sent que tous ces youtubeurs high-tech sentent que le vent est en train de tourner et se disent putain, si on rebondit pas. On est cramé. On est cramé, il n'y a pas de nouveauté en produit, les gens sont un peu lassés et tout. Et on voit que c'est relativement difficile. Prenez la dernière vidéo de notre francophone, le qui a le plus d'abonnés, là. C'était parler d'Instagram, de machin, de trucs, de attention, de. Les vidéos, pour moi, c'est inclickable. Je peux même pas cliquer. Ça n'a aucun. Puis quand il y a des vidéos, je regarde, je me dis, oh là, les longs. On en est là. Donc, on voit que le business du high-tech est en train de changer et que bah, tous nos youtubeurs sont en train de flipper un peu de. À mon avis, ils sont en train de flipper leur race en disant, putain, si je fais pas soit mon quota de vidéos. Soit ils n'arrivent plus à faire des opérations sponsor parce qu'ils demandent beaucoup d'argent, il n'y a que des grosses marques qui peuvent et il y en a de moins en moins, et que s'ils ne font pas leurs vidéos pour amortir leur CPM et avoir un peu leur vue et un CPM sur YouTube, ben, les revenus sont un peu à la ramasse. Donc on voit que sur les youtubeurs qu'on voit, ça tâtonne, hein, ça cherche un peu, ça truc, et, hein, on fait des machins comme ça, et que ça ne marche pas trop. Et moi je me dis que tout compte fait, moi, dans la position que j'ai prise, c'est-à-dire de faire du téléachat avec les Chinois, parce que c'est un peu ça, c'est un peu du Pierre Belmar 2.0, mais encore une fois, uniquement avec des produits chinois, qu'on a commencé il y a quelques années, avec bah, soit les petits produits et certainement les aspirateurs, puisque oui, je suis le roi autoproclamé des aspirateurs. On voit que cette stratégie du téléachat, en fait, est pas mauvaise, puisque j'ai plein de marques et plein de nouvelles marques. Non, Realme qui m'a contacté aujourd'hui, mais on est trop tendu sur les délais. Voilà. Donc ils m'ont contacté. Ils m'ont contacté aujourd'hui et on est trop tendu sur les délais. Sur le Realme 9i, on est trop tendu sur un les délais parce que je suis pas en Chine, mais je suis en Thaïlande et que ils ont plus de budget bien évidemment parce que je suis le dernier Obi-Wan, notre dernier espoir. On a plus d'argent. T'as plus d'argent, moi non plus. Hein. C'est pas. Voilà. Donc ça, on a Aftershock aussi qui nous a contacté avec les écouteurs par intuition. On a plein de marques qui reviennent vers nous en disant, tout compte fait, c'est pas mal ce qu'on fait. On n'est pas cher en vidéo et on fait un peu d'audience. Et ce système téléachat en faisant plein de marques chinoises, puisque maintenant on est bien, vous avez bien compris, je suis bien copain avec les cerises, puisque ça fait quand même longtemps qu'on travaille soit là-bas avec elles, qu'elles nous connaissent et que par facilité elles reviennent vers nous. Donc on a beaucoup de produits et quelque part ils me payent, je fais les vidéos plaisent, ça permet de faire des produits. On a un très mauvais ratio d'abonnement, puisque on l'a vu. Merci beaucoup à Buginou pour cet abonnement. Je vous rappelle, vous pouvez vous abonner avec Prime. Kurumi vous mettra comment ça se passe. Voilà. Ou Shadow. Vous pouvez. Ah non, c'est Shadow qui a offert à Buginou. D'accord. Il mettra comment vous pouvez, avec votre compte Amazon Prime, vous abonner. On l'a vu. Alors, j'en reviens parce que on regardait les stats. Et pendant la période du Black Friday du 11 novembre. N'y voyez aucun féminisme là-dedans, mais pendant toute cette vague d'aspirateurs, robots, il y en avait quand même beaucoup, voire toutes les semaines,
on a eu une grosse vague d'abonnements féminines. On voyait dans les stats que notre part de féminisme a vachement augmenté. Alors, vous allez me dire que c'est encore grâce aux aspirateurs, les aspirateurs, les faits. Bon, ça n'a aucune cause à effet, certainement, mais c'est pendant cette période-là, où il y a les promos, qu'on a eu le plus. Et on a vu que à partir de décembre, mi-décembre, elles se sont toutes désabonnées. Ça veut dire qu'à mon avis, elles ont toutes trouvé leur bonheur et elles sont parties. Voilà. Et c'est un peu la récurrence de la chaîne où on voit que, en plus du nettoyage de YouTube qui est en train de virer tous les abonnés qui ne regardent pas la chaîne, il y en a beaucoup à mon avis, et ben que on perd beaucoup d'abonnés, on en gagne, mais on en perd plus que ce qu'on en gagne. Parce que les gens s'abonnent et ils ont besoin d'un truc. Ah, lui, il en a plein, ils s'abonnent une fois qu'ils l'ont, ils se. Ils ont bien raison. Donc. On voit que dans le téléachat, quelque part, c'est un créneau qui marche bien. Moi, j'ai mon business model qui je me retrouve là-dedans. Il faut que j'en fasse au moins 6 par mois. On a un turnover qui est pas mal. On reçoit plein de produits. Là, j'en ai encore trop. J'ai reçu quoi ? J'ai reçu un espèce de purificateur d'air aujourd'hui, là. C'était pas mal. J'ai la caméra IMU à faire pour la semaine prochaine. J'ai un petit projecteur. Oh, le projecteur IMU, on fait à 238 € TTC sur Amazon. Ils ont fait 40 € de code promo. Ça fait un projecteur à 198 €. Et pour ce prix-là, il est d'enfer. Avec la petite sacoche et tout, le petit velours dessus, là. Oh, voilà, bon, je vous vois ça la vidéo de la semaine prochaine. La tablette fin de semaine. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah, j'ai des serrures connectées. Alors, E-Widlock nous avait déjà envoyé un truc, mais il avait disparu. Une autre arrive, et en fait, elle nous a envoyé un truc. Non, ils nous ont envoyé un truc, mais c'est le truc de après. Elle me dit, mais il n'existe pas encore. Enfin, il existe, mais il n'existe pas encore sur Internet et tout. Et elle me dit, on vous le donne, et comme ça, dès qu'on a la promo, on fait, vous l'avez. C'est déjà une bonne chose. Doogie qui est revenu avec le Doogie V20. Là, on a tout compte fait. Doogie V20, on devait pas l'avoir. On devait l'avoir. Il était bloqué. Après, elle devait nous renvoyer. On dit, ah, votre truc, $299. Il faut payer. Bah, dans ce cas, non, merci. Bon, elle me dit, d'accord, parce qu'on veut garder une relation. Elle m'a fait un truc. C'est genre, parce que, voilà, on paye. J'ai voilà, très bien. Ça continue. Voilà. Et voilà. Donc, il y a un roulement qui est pas mal. Et c'est là que je me dis. Il faut que je relance l'anglais. Il faut que je relance l'anglais. Je sais pas si on a convu la chaîne anglaise. Peut-être que Shadow vous mettra le lien de description. C'est youtube.com/bygLG. En même temps, c'est pas très compliqué. Il y a des vidéos, il y a eu des miracles. Il y a des vidéos qui ont marché moyen, mais on a des vidéos qui ont fait 4-5 000 sur les F-150, choses comme ça. Ce qui est beaucoup pour une chaîne qui a 227 abonnés quand même. Ce qui est pas beaucoup. Et par exemple, la balance connectée Huawei a fait 25 000 vues. Mais moi, j'ai regardé, j'ai dit, mais c'est quoi là ? 25 000 vues, puisque le produit devait sortir dans le monde entier, on l'a eu que en Asie, donc nous on l'a eu, on l'a fait la vidéo, après ils devaient le commercialiser, ils l'ont pas fait, il était disponible uniquement en import dans certains pays et tout, donc on a cartonné sur la vidéo, donc faisons des vidéos courtes, et surtout un nouveau format anglais où ça va partir en couille. Non, je sais pas, ça va être court, mais on va prendre du plaisir. Ça va être court, on va prendre beaucoup le plaisir sur l'anglais, où... Bah, j'ai un accent à couper à tronçonneuse, mais on s'en bat les couilles. C'est mieux que les Indiens. Non, c'est mieux que rien. C'est mieux que ceux qui parlent pas anglais du tout, hein, qui parlent pas français du tout, qui parlent que anglais. Et voilà, je vais beaucoup plus me détendre dans les prochaines vidéos où ça passe, où ça casse. Si je dis des conneries, je couperai même pas. Voilà. Ça sera un truc comme ça et ça durera 6-7 minutes maximum. Ce sera des vidéos qui seront beaucoup plus courtes, mais... Bon, dans un autre style, voilà, dans un autre style anglais, les mecs qui kifferont mon accent parce que c'est très très drôle et que tout compte fait ils comprennent, et bah tant mieux. Genre, les anglais de Pattaya me comprennent, hein, les anglais, les américains, les australiens, j'arrive à tenir une conversation, donc en théorie, même si mon accent est pourrave, ils me comprennent et je les comprends aussi. Donc ça sera une des orientations qui est en train de se mettre en place où pas mal l'anglais. Je paye plus la meuf parce que j'ai pas de sous déjà, mais parce que je peux pas trop, j'ai pas assez de réactivité là. Faut qu'elle envoie les scripts, qu'elle fasse, que je l'envoie, c'est la merde. Donc je préfère faire moi un max là d'anglais. Toutes les vidéos que j'ai, je les fais en anglais, gratos en plus, pour booster la chaîne en anglaise. Et après, certainement, si on peut transposer le business model qu'on a sur la chaîne française sur l'anglophone, en ayant une cible beaucoup plus large et surtout une particularité d'être très, très, très chinois. Il n'y a pas plus chinois que moi. Déjà parce que j'étais là-bas au bon moment et que je suis bien connu et que on a plein de produits, on a plein de petites marques et que mine de rien, bon gré mal gré, hein, ça a toujours été un peu le problème, c'est que si sur la chaîne je faisais du Apple, du Samsung, ça marchait pas. Les gens s'en battent les couilles, c'est pas la cible de la chaîne. La cible de la chaîne, c'est les produits chinois.
Et force est de constater, encore une fois, que bah, les produits chinois sont un peu à la mode, et que quand les Chinois cherchent sur Internet, le mec en fait plein, c'est moi. Pas chier, pas cher, cher, trop cher, mon cher. Voilà, donc ils cherchent, ah, t'es pas mal, ils me contactent, les prix leur vont, truc, et que bah, ça engagera certainement à en avoir de plus en plus, et d'arriver avec une solution en disant, on a aussi de l'anglophone. Ça permettrait de dire oui, on prend les mêmes plans, on change juste la voix, donc pour l'instant c'est ma voix en anglais. Attention, je dis en instant. Ça sera ma voix en anglais pour faire des petites reviews comme ça, les mêmes plans, mais avec ma voix en anglais pour la chaîne anglaise. Jusqu'à l'arrivée subodorée. Oui, on subodore chez nous. Alors l'arrivée doucement, alors je dis pas cette année, hein, 2022, mais 2023. 2024, on se laisse le temps, on se laisse le temps de, comme ça, de la même chaîne, avec les mêmes composants, mais avec une autre voix qui serait thaïlandaise, bien évidemment. C'est la voix qui est thaïlandaise, pour qu'ils soient un thaïlandais ou une thaïlandaise. Et après, bah, je peux pas dire espagnol, machin, non, parce que c'est pas le métier. Mais là, moi aujourd'hui, je suis en Thaïlande, je vais y rester, donc français, anglais, avec une option thaïlandais en LV2. En LV3, c'est en projection, et quand on rentrera un peu plus dans le vif, puisque je ne voudrais pas, je sais que beaucoup me jalousent pour pas grand chose en fait, pas pour mes heures de travail, ça c'est sûr, personne me jalouse, tout le monde me laisse dedans, mais voilà, on parlera des choses qui se mettent en place. Doucement. Alors, on avait parlé de pas mal de choses et pour l'instant c'est bien. Je vais reprendre un peu vos commentaires parce que j'ai l'impression que vous êtes beaucoup et que j'ai beaucoup parlé et que maintenant, si vous avez des petits sujets à mettre en place, et voilà. Donc bonne vacances. Oui, encore une fois, 2500 km, beaucoup de kilomètres. Passer voir Lolo dans la ferme, machin. Ah, il a un truc, il habite au milieu des champs, il a construit un truc. Il a creusé un puits pour attraper l'eau qui nettoie. Et après, il a mis des panneaux solaires pour l'électricité qui stocke dans des batteries et tout. C'était exceptionnel dans l'idée, le projet et tout. J'ai surkiffé. Bon, j'ai pas trop surkiffé parce que il m'a fait passer que le XADV au milieu des champs là-bas parce qu'il n'y a pas de route. Je suis passé par la mauvaise, mais dans le concept de vivre comme ça au solaire en 5G et tout, là ça m'a voilà. Il fallait que je voie, voilà, que ça m'intéressait. Pas que modérateur, je suis également administrateur. S'il te plaît. Monsieur a pris du grade. Oui, le S22 révolutionnaire. Ouais, on en reparlera. Ouais, non, mais voilà, non, mais c'est ça. Et c'est le S22. Il y a le Oppo machin, Redmi qui nous sort. Alors apparemment, il y a un C35 qui sort en Asie demain ou après-demain, dont on a fait une news sur JT Geek. Et après, il nous parle d'un Realme 9i, mais ça a l'air d'être exactement le même. Hein. Donc j'ai bien l'impression qu'il va s'appeler C35 en Asie et Realme 9i en Europe, parce que le Realme 9i est déjà disponible en Asie. Donc soit c'est le même, mais comme ils aiment bien foutre le bordel dans les noms, voilà, j'ai bien l'impression que ça. Mais voilà, on voit dans le... dans le marché du smartphone, on a bien vu que tous les mecs qui faisaient que du smartphone avant et qui se sont fait connaître là-dedans ont complètement été obligés de changer, soit ont complètement abandonné pour beaucoup, mais ont été obligés de changer un peu de trucs et trouver un nouveau créneau, disant, alors, change de métier. Alors le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui n'étaient que youtubeurs opportunistes et qui n'ont pas bien compris que voilà, le métier va falloir le changer et que c'est de l'entrepreneuriat, qu'il faut savoir évoluer sans cesse, se remettre en question et arrêter ce qui marche pas pour passer pour de nouvelles choses. Voilà. Tout le monde s'est bien foutu de ma gueule avec les aspirateurs. Hein. Je vous ai vu là tous. Hein, les aspirateurs. Ils en ont tous bouffé. Hein. Ils en ont tous pris hein, après. Hein. Dès qu'ils en avaient un, les mecs l'ont pris. Hein. Et comme quoi, vous avez vu? Voilà. Ah, on l'a senti. Ça sentait bon l'aspirateur. Jeff, c'est fou comme les marques viennent te voir quand ils ont plus de budget, alors que pour beaucoup, plus calu que certains, et plein d'amour en plus. C'est ça, oui, c'est ça, c'est un peu le cas de Realme. Alors Realme, c'est pas eux, hein, c'est une boîte marketing, machin et tout, mais elle me dit, oui, on voudrait vous faire tester, nouveau lancement exclusif. Oh, le mail en français, hein, incroyable, hein, c'est... Et limite, elle était abonnée à la chaîne, hein, votre truc, voilà, ça vous ferait plaisir, en plus, vous étiez en Chine, on pourrait vous l'envoyer de là-bas, c'est trop bien, et tout. Je dis, bah, déjà, je suis pas rendu cocotte, je suis pas en Chine, je suis en Thaïlande, bon, pas très très loin, il est disponible, il est déjà disponible ici, donc je pouvais l'acheter et l'avoir dans 3 jours. Et Dozio, j'ai dit 7 ans.
T'as ton truc à 200 balles, j'ai pas dit, mais je sais qu'il vaut 200 balles en Thaïlande. J'ai ton truc, voilà, ce sera pas gratuit. C'est moins cher pour les reviews. Hein. Tout ce qui est smartphone, tablette, on prend pas beaucoup, genre moitié moins cher que ce qu'on prend sur les autres produits, puisque ça permet de garder la machine. Là, on a la tablette, j'en ai encore deux. Vous vous rappelez, j'ai toujours la tablette Windows, là. Vous avez vu les déballages, c'est espèce de tablette Windows, machin, là. Et les mecs, mais oui, on va bientôt la lancer sur Indiegogo, après on part en vacances. Ils sont pas pressés, les mecs. C'est comme AGM, le téléphone, il arrive 2 ans après. Et on a encore une autre, la Kingswear, là, que le mec m'a envoyé. Ils ont payé. Ils m'ont envoyé la tablette. Ils ont payé, ils ont disparu. Très bien. Parfait. Et elle me dit, oui, après, je dis, bah, c'est temps. Alors écoutez, le mail est assez intéressant. Il me dit, écoutez, oui, là c'est dommage parce qu'on a... Je vais vous lire le mail. Je vais vous lire le mail parce que il était bien fait. Et pour revenir à l'idée où, ben, en fait, je suis pas cher. Merci pour ton feedback et pour ces infos. Nous le gardions précieusement pour les prochaines collaborations car le budget a été bouclé pour ce trimestre. Ceci dit, cela est intéressant pour nous pour de futures collaborations. Donc en gros, en fait, merde, t'es pas cher. En gros, on a payé des mecs bien plus cher alors que bon, voilà quoi. Et alors là, pour les collaborations, nous reviendrons vers toi à l'occasion. Merci et bientôt, voilà. Je t'aime, moi non plus. Mais c'est ça, c'est-à-dire que les mecs, ils se sont dit, ah merde, putain, c'est si peu. Ah bah merde, alors si on avait su, on aurait commencé par lui. Ben ils reviendront prochainement. Mais voilà, encore une fois, c'est aussi comment dire, voilà, maintenant ils me connaissent, ils ont vu mes tarifs qui sont pour les smartphones qui sont très intéressants. Encore une fois, c'est moins cher que moins cher par rapport aux vues qu'on fait. Mais alors, moi j'adore faire les smartphones, c'est ce truc, c'est moi j'adore ça. Mais au bout d'un moment, bah, si je veux moi vivre et faire un truc à une société sympa, payer des charges et éventuellement payer le monteur et tout, un monteur, je peux lui dire, hey, téléphone vaut que 100 balles, ce coup-là, elle est gratuite. J'aurais beau lui dire, je te donne un téléphone, mais mon téléphone il vaut 100 balles, m'en bat les couilles, moi. Je veux un vrai truc bien. Garde-la ta merde. Donc voilà, il faut que ça soit aussi un juste équilibre, mais je suis convaincu qu'elle reviendra vers moi. Obi-Wan, elle reviendra vers moi à travers R2D2, qui projettera une image graphique qui dira, Obi-Wan, notre dernier espoir. Non, là, vous êtes notre premier espoir et on aimerait bien que vous passiez la review parce que c'est bien, vous êtes un peu de la vue et c'est pas cher. Que demande le peuple à part à boire et à manger. Si tu veux suivre, ok, j'aime bien. La place de la femme n'est donc pas seulement dans la cuisine, elle nettoie le reste de la maison, c'est ce qu'on en déduit. Non, au contraire, non. C'est que la femme se révolte et la femme veut un robot aspirateur pour elle aussi faire sa grosse feignasse comme nous et cliquer sur son application et dire hey Alexa girlfriend et lance-moi l'aspirateur, ou sur son smartphone dire le ménage chérie, pas de problème, et hop elle lance l'aspirateur. Voilà, c'est ça qu'elle veut maintenant, c'est le futur monsieur. Bah oui, on parlait que des robots aspirateurs, les robots à main c'est vraiment juste au cas où. Bah ouais, là t'as raison chérie, c'est encore un peu sale. Marche pas terrible ton truc là. Allez, prends le robot aspirateur à main et hop, un petit coup vite fait. Voilà, qu'à le dire. Tu nous tises comme un cochon pour le Projo. J'ai en projet d'en prendre un pour ma chambre avec le Chromecast au lieu d'une TV. Alors pour le Chromecast, parfait. Et en plus, il sera compatible Chromecast parce qu'il a deux prises HDMI et deux prises USB. Et en plus, il est Miracast et AirPlay. Ça veut dire qu'avec ma tablette, j'ai pu jouer comme ça. Trop bien. Trop bien, trop bien. Voilà. Bon, après, je dis ça. Oh, avec le petit pied au ressort dessous, là, j'ai pu l'incliner. Et en plus, parce que je t'aime bien. Déjà, il te donnait une sacoche que. Autant, il paraît que la première impression fait. Tu l'ouvres, sacoche. Oh, dans le truc, le projecteur est dedans, trop bien. Sur le devant du projecteur, il est en tissu, machin. Et je regarde, il y avait un sac dedans. Je regarde le sac. Oh, c'est une toile de projecteur de 100 pouces. C'est-à-dire qu'ils ont mis une toile blanche comme ça avec des petits trous et des petits crochets à coller contre le mur que tu mets et hop, tu mets ta toile de 1 mètre sur le mur et après tu projettes dessus. Tout pour 200 balles, je me suis dit, putain, mais comment c'est trop bien. Alors après, on les rendus, on verra dans la vidéo. Bon, c'est pas mal, c'est du Full HD, Lumens, entre les Lumens à NC et NCA, tu sais, l'Indien et tout. Et les trucs, bah, c'est bien, hein. C'est pas ultra exceptionnel, mais par rapport au produit, nom de Zeus, tout ça pour 200 balles, je me suis dit,
1000 milliards, 1000 sabords. Qu'est-ce que c'est bien. Ah, j'ai projeté là. Ah, je l'ai mis du coup, comme moi, les murs sont verts ici, tu vois. J'ai mis les trucs. Ah, j'ai mis ça, j'ai projeté. Je me suis dit, putain, c'est quand même pas mal. Et t'as les petits crochets à coller sur le mur. Et si vraiment tu veux pas, il y a des petites cordes à accrocher en haut, tu vois, pour avoir un espèce de truc tendu et tout. C'est bien. Je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'il était bien celui-là. Quelle drôle de bonne idée. Voilà. Et puis, bah, 40 euros de remise sur Amazon France. Ça se néglige pas. Voilà. Je vous dis ça, je dis rien. Ben GG, merci beaucoup. Le lien marche pas. Ah. Ça va ? Ah oui, en effet. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Non. Ça, c'est quoi ? Tableau de bord. Ben GG. Non. Tu vois ? Pourquoi je trouve pas ? Où c'est que je m'habite ? Où je me gère les vidéos. Si je vous mets ça, attends, je vous mets ça comme ça. Ah, c'est peut-être pas l'URL est peut-être pas encore actée pour GLG, by GLG. Alors attends, je sais pas si ça va marcher. Vous me direz, vous trouverez. Ah, vous êtes fort. Et une balle perdue pour les Indiens anglophones, c'est cadeau. Perdu. Tu vois pas du tout de quoi tu parles. J'ai Streamlab. Sachez que c'est trois chaînes YouTube. Merci beaucoup. Justement. En termes business, pourquoi en thaï et pas en chinois? Bah parce qu'en fait, il n'y aura aucun business pour moi de faire des vidéos en chinois. Puisque les Chinois n'ont pas YouTube. Numéro 1. Et que 2, quel est l'intérêt de faire des vidéos de promotion de produits d'un Français qui parlerait en chinois pour le marché chinois dont j'ai pas accès? Il faudrait les mettre sur Youku et non pas sur YouTube, parce que les Chinois n'ont pas YouTube. Par contre, en Thaïlande, où je réside, et comme il y a un gros marché, notamment à travers Lazada, qui s'est fait quand même vachement acquérir par AliExpress, qui permet en fait de vendre, je sais pas, il y a deux vialets sur Lazada par exemple, mais il y a beaucoup de marques, hein, Osviz, là, la caméra qui arrive, ils ont pas mal de boutiques officielles et ils vendent par Lazada vers la Thaïlande, puisque AliExpress a quand même un petit peu investi 1 milliard et quel dans Lazada pour... Il en a investi dans vous en mettant deux fois votre valeur, quoi. Tu vois le genre de truc. Et ils se sont dit comme ça, ils vendent directement déjà en Thaïlande via Lazada. C'est-à-dire que tu as déjà tous les Chinois qui sont déjà en vente sur là, via Lazada, via la plateforme, en ayant des boutiques officielles. Donc c'est bien qu'ils disent qu'il y a un business. Les Chinois veulent exporter leur marché local, ils suffisent, eux. Mais il y a un gros marché. Et comme moi, je suis ici, et que ça permettrait bah, déjà d'embaucher un mec qui parle, ou une meuf qui parle thaï, éventuellement un monteur qui parle thaï, éventuellement un cadreur qui ferait les plans comme ça, je pourrais l'utiliser moi pour le français, mais il pourrait les mettre pour thaï. Et ça permettrait de développer un truc où bah, moi, je suis là en plus. Donc les marques qui sont ici en Thaïlande et qui veulent se faire connaître un peu plus passeraient par moi. Et par exemple, prenez des cas comme la marque Midea. Midea est sponsor officiel de l'équipe de football de plus connue en Thaïlande. Donc Midea, ils sont déjà en place, quoi. Donc là, les marques comme ça avec lesquelles je suis déjà en contact, en plus, je leur dirais, hey, on fait aussi la promotion en Thaïlande. Les mecs disent, putain, on est sponsor de l'équipe de foot, nananana, et plein de trucs. Ils diraient, ça peut être intéressant pour eux d'avoir aussi des reviews en thaïlandais. Ce qui ne doit pas être certainement le cas dans la manière où on le fait, bon gré ou mal gré. Donc il y a beaucoup plus de potentiel pour des Chinois qui veulent vendre dans un nouveau pays. Pour 300 euros, mais c'est ouf. Même si c'est du basique, pour YouTube et les films de TF1, ça suffit quoi. Carrément, il est où le prix? Attends, fais voir. Il n'est pas à 300 euros, il est à... Mais non, il n'est pas à 300 euros, il est à 198 euros. Qu'est-ce que tu racontes là, Willy? Il était à 238 euros moins 40 euros de coupons pour moi. Ça fait 198 euros. Je suis désolé, mais c'est juste 100 balles de moins que ton budget. Sur Amazon France, quand même. Hein. Ça veut dire que tu commandes aujourd'hui, tu l'as de demain ou après-demain. Ou hier, ça dépend si tu es super prime. Voilà. Non, c'est 198 euros, monsieur. Je suis désolé. Avec la sacoche, regarde. Non, mais rien que la sacoche, elle vaut. Regarde, elle vaut déjà le truc. Tu vois? Et là, comme ça, tu mets, hop, après, t'as le côté, tu mets tes petits accessoires et tout. Voilà. Rien que ça, c'était pas mal. Voilà. Moi, je dis ça. Vous aurez la review début de semaine prochaine. Moi, je la finis demain ou après-demain. Et vous l'aurez début de semaine prochaine, parce que la vendredi, c'est la tablette.
Je vais essayer de la passer la semaine prochaine. Mais voilà. Et là, toi, le truc tendu, là, c'est pas, encore une fois, c'est juste un tissu avec des trous. Bah, elle va l'acheter, ton tissu avec des trous. Hein. Il fera moi-même tes trous. Mais voilà. Et les petits crochets, les cordes, puis tes télécommandes et tout. Tout bien. Je dis tout bien. Pour 200 balles, c'est juste atomique. Mais moi, je suis étonné parce que, voilà quoi. Lumen IMCA. Même les Village People l'avaient pas vu arriver. Non, mais c'est les Lumen. Attends, j'ai marqué là. C'est Lumen ANSI. J'étais pas loin. C'est les Lumen ANSI. Il y a les Lumen qui donnent et les Lumen ANSI. C'est-à-dire que t'as les Lumen qui donnent qui sont la projection que fait l'appareil et ta perception. Et en fait, ils ont fait une norme après que pour les projecteurs qui s'appelle la norme ANSI, qui n'est pas une norme simplement de luminosité de projection, mais de ressenti, de quali, et qui est quand même plus plafonnée et qui fait quand même moins de chiffres. Donc, il ne faut pas les confondre les deux. Voilà. Donc, c'est ANSI. Et non pas YMCA, ça n'a rien à voir, monsieur. Si je vous mettais une petite page de pub, est-ce que ça vous ferait plaisir? Est-ce que je peux trouver la pub? Tu vois? Pas du tout. J'ai plus le pub. J'ai plus l'onglet pub. Enculé. Ben quoi? Attends, et c'est où? Ah, c'est peut-être sur Twitch. Je suis une petite coquine. Lancez une coupure pub. Voilà, ça vous apprendra. Oh, bah ceux qui vont de la, ceux qui verront de la pub, n'hésitez pas à me dire quelle est donc cette pub que tu as vue, parce que c'était pas facile. Hein. J'ai eu beaucoup de mal à la trouver. Ghost. C'est pas facile, hein. On a d'abord de voir ce Projo GLG. Ben, le problème, c'est qu'à 198 euros, il va vous énerver un peu, comme moi. Hein. Où je me suis dit, tu sais, quand j'ai préparé la vidéo, je fais les plans, machin et tout. Et après, je me suis dit, bon, je vais installer ma toile, alors, je colle les machins. C'était pas d'une droititude, comme dirait la blague, c'était droit comme la bite. Mais, voilà. Bon, après, on a fait ce qu'on a pu. J'ai mis les crochets, j'ai accroché, puis après, je me suis dit, c'est pas si mal que ça. Quand même. Après, je mets le projecteur sur la table, c'était beaucoup trop bas. Je clique sur le bouton, ça sort un petit pied au milieu, comme ça. Je me suis dit, putain, réglable, je me suis dit, trop bien. Comme ça, je dis, ah, mais dis donc, trapézoïdal. Kenny, il y a un bouton, je tourne trapézoïdal remis bien. Après, je tourne autofocus. Je me dis, on aurait pu faire un peu mieux. Mais pour une longueur, parce qu'il y a le recul était assez important. J'étais à 2,5 mètres du truc et on couvrait pas les 100 pouces. Parce que c'est pas très grand chez moi. Je suis désolé, de ma table, même au bout de la table au mur, il n'y avait pas 2,50 mètres, quoi. Voilà, je suis désolé, pas 3 mètres, hein, on peut pas tout faire. Mais je me suis dit, et pour le prix, c'est pas mal, pour jouer, pour aider des vidéos et tout. Je me suis dit, putain, dans le noir total, il y avait vraiment, voilà, belle couleur, beau contraste et tout. Ah, c'est 98 euros, quoi, voilà, un petit tout. Mais tout ce que j'ai envie de vous dire. Ok, donc ça, c'est moi. People, pas périple. Pas périple. Ah oui, c'est vrai, si on n'a pas YouTube dans leur magnifique démocratie. C'est vrai. Ils ont pas. Ben oui. Faire la pub. Tu te dirais de faire de la pub sur YouTube pour les Chinois. Ouais, ouais, bon, le problème. Voilà quoi. Et en anglais aussi, non. Voilà. C'était un petit détail. Mais ta remarque était pertinente. Et elle permet de justifier la mienne qui est un peu plus réfléchie. L'Irsch. Ok. Ok. 200 euros. J'ai bien marqué 200. Marqué 200, tu vois. Ah oui, c'est ça, autant. Bah c'est 198. Voilà, c'est pas 200, c'est 198. Tu veux construire quoi comme tablette entre 250 et 800 euros? Je sais pas. Dis-toi, c'est comme si tu rentrais chez Renault. Tu dis, tu vas chez Renault, tu dis, bonjour monsieur, vous conseillez quoi comme voiture entre 10 000 et 20 000 euros? Le mec, il va dire, ouais, ça dépend. Vous êtes plutôt chasseur, familial. C'est trop compliqué comme question. La vision est trop large. Il faudrait que tu me dises qu'est-ce que tu veux faire avec. En sachant très bien que je n'y connais rien en tablette. Que la seule que je pourrais te conseiller, c'est la Mi Pad 5. Mais tu pourrais me dire, oui, alors moi, c'est pour des Netflix, la télé, bureautique, internet, je te dirais. C'est la Mi Pad 5 de Xiaomi. Voilà. Après, tu me dirais, en fait, c'est juste pour jouer. Dans ce cas, je te dirais, c'est la Mi Pad 5. Après, si tu me dis non, mais en fait, tu vois, c'est plutôt une tablette familiale qu'on se partage entre nous, je te dirais, dans ce cas, prends la Mi Pad 5. Voilà. Et, la autre question, sache que c'est la Mi Pad 5. Voilà.
C'est plus une fourchette qu'un râteau. C'est vrai, c'est une fourchette, oui, c'est une fourchette voilà, de campagnard. Xiaomi Pad 5, c'est ça. Je n'en plais plus pour Kinder Bueno. Oh, trop bien. Trop bien. Il manque quand même son gars dans la, Ah oui, c'est vrai, il y avait son gars qui aimait bien les Kinder Bueno. Alors, au début de la pub, c'était Kinder Bueno, très bien. Ok, Mi Pad 5. Non, mais sinon, c'était la T-Class P40 Pro. Bien évidemment, elle est incroyable cette tablette. Non, elle n'est pas très très chère. Je sais pas combien vous allez la négocier, la Mi Pad 5. Il y en a qui peuvent me donner un prix en Europe comme ça. Mais l'autre à 300 balles, a quand même un écran 2K, un processeur T616 qui fait quand même 240 000 sur AnTuTu. Hein. Une partie graphique qui est pas mal pour son écran 2K. Elle est quand même 2G, 3G, 4G. Une batterie 7000, 4 haut-parleurs en haut, en bas, à gauche, à droite. C'est pas la tablette du siècle, mais moi je l'ai trouvé bien pour un prix de moins de 300 balles. Encore une fois, 220 € sur AliExpress, soi-disant TTC, nanana, et 280 € sur Amazon. Faut voir combien était la Mi Pad 5, mais je crois que les premiers Mi Pad 5 étaient à 299 €, je crois, en offre de lancement et tout. Donc, avec les promos, la révolution, les soldes et tout, peut-être que c'est encore moins cher que ça. Dirch. Si j'ai bien compris, c'était plus. Non, c'est pas. Et quand j'ai mis. D'accord. Ça comme ça. Tac, tac. Ah, ça met pas le haut. D'accord. Ah non, on n'enlèvera pas le haut. Comme dirait la chanson. L'anglish. La chaîne de. Ok. Ah, anglish, ok. Je suis pas sûr de l'orthographe. C'est pas de gueux en rapport prix. C'est ça, oui, ils ont des tablettes qui sont pas mal, mais on n'est plus en deal avec Shui. On a eu un moment là, on avait une meuf pendant qu'il nous envoyait plein de trucs, plein de Shui et tout. Mais toujours à chaque fois on se fait niquer. C'est-à-dire que je me suis tellement fait niquer que j'ai l'anus tout deal. Non, c'était pas ça. C'était une autre rime. Non, mais à chaque fois, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que les marques arrivent en disant ouais, voilà, on veut vous faire un review, truc, là, et ils te proposent leur merde incroyable. Hein, le truc le moins cher qu'ils ont, on va faire ça. Alors tu leur dis non, on dit, mais non, en fait, si vous faites ça, après, on aura les trucs mieux, et après, là, ça sera mieux, là, ça vous être plus intéressant pour vous. Alors tu dis bon, d'accord, parce qu'ils ont quand même une gamme de produits qui est assez large, avec des laptops, des machins comme ça. Le problème, c'est que la meuf, elle t'envoie sa merde, tu lui fais, voilà, et qu'après, elle démissionne et elle change de boulot. Et on est le cas avec Dougie. Où la meuf vient, elle me dit oui, j'ai votre truc là, il valait ça, le Dougie V20. Elle m'écrit, elle me dit oui, téléphone, j'ai attention, comme notre truc, je prends plus de téléphone gratuitement à moins de 300 balles. Oui, mais alors elle dit attention, nous le téléphone c'est 599 €. 599 € pour un Dougie, attention, hein, c'est un pédigré et tout là, tu vois. Donc elle me crie, hein, et ça c'était novembre de l'année dernière, pour vous donner un peu le délire. Décembre, janvier, et puis après, bah, une autre m'écrit, dit bonjour, je suis Nana, ma collaboratrice est partie, je reprends le dossier. Donc là, le téléphone devait arriver, bloqué par UPS parce qu'il n'a pas les papiers, ce qu'il fallait, pour venir en Thaïlande. Et donc elle m'écrit, puis elle me dit oui, alors téléphone, on peut vous renvoyer un et tout. J'ai avoir attention, par contre, là, entre temps, j'ai eu le lien, il est en précommande à 299 $. Donc on est quand même passé de 599 $ à 299 $. À savoir que 299 $, tu le ramènes en euros, on est vachement loin du délire. Alors je dis par contre, c'est même pas la peine de m'en renvoyer un. Là, à ce prix-là, je ne fais pas. Oui, c'était pas les conditions et tout. Moi, c'est toujours été ça. Mais non, pourtant, je suis là depuis longtemps. Et j'ai oublié de retrouver le mail en disant, attendez, c'est elle qui m'a écrit au début, je l'ai dit. Là, maintenant, c'est une autre. Elle me dit, oui, mais ça devait être une meuf qui bossait pour elle. Et là, donc du coup, elle m'a répondu aujourd'hui, comme j'ai dit, bah, votre truc là, 299 $. Oui, elle me dit, c'est une promo pour les 3 jours, et après, il repasse à 399. Gna, gna, gna. J'ai l'air si con que ça. C'est-à-dire que le téléphone, il est en précommande à 299, et après, il prendra 100 balles. Genre, il va perdre 100 balles, ouais. Donc, je dis, non, je dis, c'est pas la peine. J'ai gardé le votre téléphone, de toute façon, dans tous les cas. Et tout compte fait, ils vont payer. Comme ça pour dire à la fin que, oui, ben, on va le faire. Hein, parce que l'autre conne, là, elle a envoyé des mails en CC et non pas en CCI.
Voilà, donc CC, ça veut dire c'est copie cachée, et CCI, c'est copie cachée avec l'injection. Non. Quand on voit en CCI, c'est plein de le mail de masse, mais personne ne voit les autres. En CC, tu vois tous les autres emails. Je peux dire que la liste n'était pas glorieuse. Hein. Il n'y avait pas de... Voilà, voilà c'est tout, tout de suite là. J'ai vu les CC, je me suis dit, ah ouais, d'accord, c'est ça les autres. Hein, mais bon, bravo. Donc, ils vont me l'envoyer, me donner un petit billet. Juste à moi, bien évidemment, parce que je le vaux bien. Grâce à mes cheveux soyeux. Moi, quand je vais à Disney, je me fais toujours mixer. Ah oui. C'est le, moi aussi, c'est les oreilles. Ça m'excite. Tiens, pas les oreilles comme ça. Voilà, bon. Donc, revenons-en à nos moutons. Bonjour de passage entre deux dossiers PEP. PEP, PEP à toi aussi, mon petit Alex de Megève. On peut dire... Ce genre de comportement, c'est un peu le Doogie Style. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, 299. Non, mais c'est tout le truc. Il a 299. Vous allez voir sur Doogie V20 sur AliExpress. Il est en précommande à 299€ pour le lancement, bien évidemment. Bien sûr qu'après, il va prendre 100 balles. C'est un petit croate qui va prendre 399. Déjà, à mon avis, enfin bon, il a l'air pas trop mal. Il a un écran AMOLED. Il y a un petit écran LCD à l'arrière pour les notifications, mais... Bon, rappelons-nous que ça reste quand même un téléphone Doogie de Shanzai, quoi. C'est pas 300 balles déjà, parce que 299€ hors taxe, vous allez vous le taper à 320 ou 330€ TTC avec l'impôt et tout. Ça reste un Doogie, voilà. Pour voir ce qu'il donne en photo, il va falloir. C'est toujours le problème, c'est que sans review, c'est. Je vais pas dire que c'est invendable, mais qui va mettre 300 balles ou 350 balles dans un Doogie, il a l'air résistant et il a l'air mignon comme ça, hein. Tu sais, il a remis la queue et tout, mais je sais pas. Donc, après, est-ce que la review va nous montrer que, ouais, franchement, les caméras, c'est de la balle et ce téléphone-là, c'est une bête de chasse et que il vous le faut? Je l'espère, mais bon, si les photos sont pas bonnes, moi je vous les mets en ligne, si elles sont pas bonnes, hein, je pas retoucher les photos, je sais pas faire. Voilà. Je suis fier de ma blague de merde, mine de rien. C'est le plus important, c'est le plus important. Et si tu arrives même à rire de ta blague, tu dis c'est au moins ça de gagner. C'est ce que je me dis à chaque fois. Je me dis, il faut que ça passe ou ça casse. Tu vas faire la Saint-Valentin avec ta doll. Alors malheureusement Sébastien, je suis au regret de t'annoncer que les dolls sont interdites en Thaïlande. D'ailleurs les sextoys sont interdits en Thaïlande. Voilà. Alors pour la blague, je vous dis ça mais c'est même pas drôle. Voilà. On ne peut pas importer, les sextoys sont interdits en Thaïlande. Et les cigarettes électroniques. Ne me demandez pas pourquoi, il y a des lois comme ça. Et arrêtez de dire la Thaïlande si vous habitez en France, c'est pas mieux. Vous avez des lois bien plus rock'n'roll que celles d'ici, mais les sextols sont interdits. Il est alors oui, on en trouve hein, dans le marché underground, comme les cigarettes électroniques, mais c'est interdit d'en importer. Et donc les dolls étant considérés comme des jouets Toys R Us, mais pour les adultes, eh ben sont interdites. Et la marque m'avait bien dit qu'elle ne pourrait pas m'en envoyer puisque comme je devais me faire livrer en Thaïlande, que c'était interdit. Et ça, ils le savent. Ils m'ont proposé de me l'envoyer en kit, j'ai dit non. C'est-à-dire que... Oui, bah vous avez compris qu'on peut avoir une tête, machin et tout. Alors, je dis, le problème, c'est que s'ils pouvaient envoyer un bras, après l'autre bras, et peut-être si on avait que les jambes, et que éventuellement pour la fouf, eh ben, je me démerde. Je me dis, j'achète des fruits. Hein. Voilà, donc, c'était un peu compliqué. Donc, malheureusement, je n'aurai pas de dolls. Je n'aurai pas de concubine pour la Saint-Valentin. Puisque si à la Saint-Valentin, elle te prend la main, vivement la Saint-Marguerite, comme dirait l'adage, je l'ai lu sur Line, je l'ai trouvé très très drôle. Il y a d'autres Saint-Valentin possibles qu'avec une Dolls. Oui, mais Sébastien est encore resté. Sébastien est en pleine construction d'un WordPress qu'il a pris sur un qui me suffit à 1,119€. Et là, il est en train de faire les catégories, les sous-catégories. Je te dirais même pas ce qu'il est en projet de commercialiser. Voilà. Travail familial, entreprise familiale, que tout le monde connaît, bien évidemment, si vous n'avez qu'à vous répéter, reporter, référer au live suscité il y a 15 jours. J'espère qu'ils autorisent au moins les gars, les concombres Thaï pour satisfaire les 1000. Alors, il y a un problème en Thaïlande, c'est que... Je te dis, je sais pas, hein, pendant un moment, tu sais, on avait fait un truc où les mecs, vous avez fait, je sais plus que c'est ça, je crois que c'est Jérôme qui avait pris en charge le truc, ça. Les gens avaient acheté des trucs sur Amazon, lui avait envoyé, et lui me les avait envoyé comme ça, et il y avait une espèce de truc en silicone comme ça pour toi, tu mettais ton, et hop, comme ça, et c'était pas donné,
C'est pas donné, c'était presque 8 euros, je crois, sur Amazon. Et 8 euros, je sais pas comment ça fait en bahts, ça fait 400, 500 bahts. 400 ou 500 bahts, tu peux avoir quelque chose dans d'autres pays. Donc, pourquoi avoir du plastique quand tu peux avoir du vrai? Voilà, il faut mettre en relation avec ce que tu es prêt à payer et ce que tu pourrais avoir, toi. Quitte à l'utiliser qu'une fois, autant avoir quelque chose d'un peu plus naturel. Nouveau following de Planet Shopping. Oui, bonjour à Planet Shopping. Oui, tu as été obligé de me follower. Ça fait partie des conditions. On est là pour racoler. Le pire, c'est pas que je vous oblige à me follower parce que c'est gratuit pour pouvoir participer au chat. C'est que le pire, c'est que ça veut dire que Planet Shopping n'en était pas. Ne me followez pas. Et ça, c'est inadmissible. Voilà. Même si j'ai toujours ton mug que tu m'as offert, avec plaisir. Avec beaucoup de plaisir. J'ai eu la réflexion. Sur l'abonnement ou... Oui, mais je suis à un sujet d'après, moi. Sur les abonnements ou sur avoir du vrai au prix du plastique? Pour le follow. On est d'accord. Oui, c'est pas que, bon, c'est gentil qu'il se follow, mais ça veut dire qu'avant, il ne me followait pas. Qu'il l'a juste fait aujourd'hui parce que je l'ai obligé. T'as vu? Il est un... Après, j'oublie pas à s'abonner, machin. On s'en fout pas. Bon, ça ferait toujours plaisir, mais que voilà, on se dit, voilà, au moins que ceux qui participent, ceux qui regardent, regardent. Moi, je sais même pas si on peut faire que juste les mecs qui follow regardent. Ça devrait être possible. Mais après, comment on les mettrait? La vidéo, en fait, je suis en train de l'enregistrer en local. Je la mettrai sur YouTube GLG Vidéo mardi prochain. Du coup, comme il n'y a pas de vidéo mardi, bah, je mettrai cette vidéo-là. Ça permet d'avoir une petite vidéo pour ceux qui regarderont le replay, puisque j'ai eu l'agence cet après-midi, là. Tous les innocents, là, même Lolo. Tous les innocents qui m'ont dit « Ah, j'ai pas le temps de regarder des vidéos. Ouais, parce que là, tu vois, moi aussi, tout le monde est en même cas. On suit beaucoup de trucs et tout. » Puis les deux, c'est... C'est quoi cette histoire de Dolls là? Ça veut dire que la plupart ils l'ont pas vu sur Twitch, on est d'accord. Mais alors le riposte sur YouTube, papa qui cherchait à faire un titre bien putaclic en disant un fabricant me propose de tester une Dolls, les deux. Lui aussi il me dit alors comme ça, c'est quoi cette histoire de Dolls? J'ai vu passer là, vite fait. Alors aussi, pareil bien, mais je. Il y a un truc de Dolls Live 2. Non, mais j'ai cliqué, j'ai regardé vite fait, comme ça, 5 minutes, mais tu peux m'expliquer? C'est incroyable. Et je suis convaincu, c'est pour ça que la vidéo a pas trop mal marché, même sur GLG Vidéo, puisque. Voilà, papa voulait faire un type putaclic, il l'a trouvé. Aujourd'hui aussi, pourquoi j'arrête tout et que je change et tout, c'est bien comme ça. Alors, pour en finir un peu avec les live Twitch. Alors, plus, hein, plus du tout, pas plus du tout, on garde le mercredi à 16h, tous les mercredis à 16h, c'est acté, moi, je passe toujours un très bon moment avec vous, je rigole de mes blagues, je suis comme Jeff, je rigole de mes blagues, et c'est le plus important, et tous les autres, c'est fini, les déballages, les machins, peut-être l'enregistrement de l'émission vendredi, et encore, je suis pas sûr, si, ça, je pourrais le faire, et alors, concernant les cadeaux et tout, puisque, bah, les annonceurs, je les ai, les cadeaux, on les a eus. Bon, sauf la caméra, il m'a écrit plein de jours de l'an chinois. Mais je comprends pas, j'ai pas de nouvelles. Les jours de l'an chinois, pas de truc. Et la batterie qui arrivera là bientôt, elle nous dira. Donc, le live dimanche pour les cadeaux, ça sera bien évidemment tous les 100 followers. On garde, donc là on est à 290 quelque chose, donc on est bientôt. Ou alors, si on n'a pas les 100 followers, ça sera le dernier dimanche du mois. Voilà. Donc, tous les derniers dimanches du mois, on fera un live et on fera gagner les cadeaux comme c'est prévu, mais pas tous les 15 jours comme c'était parti, machin. Et des lives le mardi, et des lives le samedi, machin. Tout ça, walou. Maintenant, on fait des vidéos en anglais. Rebonjour tout le monde, désolé pour le retard, ouais, le retard, t'arrives juste à la fin, Coco. Les masques tombent, c'est ça. Non mais ouais, c'est mon petit côté détective. J'ai regardé, s'il le fait maintenant, c'est qu'il l'a pas fait avant. Je peux le battre deux secondes. Non. Oups, désolé pour la répétition. Ok. J'ai jamais reçu de réponse pour les Dolls. Bah oui, c'est le jour de l'an chinois. Mais toi, t'es aussi pareil. Comme je suis sur le Goldorak, dans le même délire. Les mecs étaient le jour de l'an chinois, on vous l'a dit. Du 20
du 20 au quasiment 8 voire 10 février, ne leur demandez rien. Moi, les mecs, les meufs me relancent parce que la clim, le purificateur d'air, c'était pour le 10. J'ai reçu aujourd'hui, j'ai même pas la peine. Donc, ça sera les meufs qui sont un peu en business, oui, parce qu'elles ont un boulot, mais tous les autres, je vous dis, du 20, ils commencent à débrayer avant le 27, et là, ils ont repris lundi ou mardi. Laissez-leur une semaine parce que les meufs doivent avoir une liste de mails qui est long comme ma personnalité. Voilà. Et donc non, t'auras peut-être même jamais de réponse. Attends 10 jours encore, qu'elles aient le temps de lire leur mail, de répondre à tout le monde. Et sinon, tu les relances. Peut-être t'es parti en spam. Vu que même ici, t'as payé de banni parce que t'étais pas, tu me followais pas. Peut-être t'es parti en spam chez elle aussi. Hein. Peut-être t'es puni. Tu as jamais fait la review de ton autocuiseur. De qui? Qui a un autocuiseur? J'entends les... Ah. Oh, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah oui, c'est un Tipeee. J'ai pas suivi... J'ai eu un autocuiseur? Ou... C'est pas un autocuiseur? Je sais pas. Remémore-moi. Remémore-moi. Je peux savoir. Qui c'est notre dernier Tipeee? Type de... Ah, merci. Merci beaucoup, Effet Shopping. Ça fait plaisir. De riz. Ah oui, c'est vrai. Oui, bah oui, parce que non. Pas. Oui, ça me paraît pas exceptionnel, mais... Mot pour les cafés. Ben, merci beaucoup pour les cafés. Alors, merci encore une fois aux derniers types qui sont Effet Shopping et Sébastien. Bien évidemment, ça permet de... d'avoir un petit roulement comme ça de tips. J'aime bien les petits tips comme ça pendant le live. Ça fait, toi, pour les cafés, pour le live, c'est sympa. Après, pas plus. Je me rappelle, je les annulerai. Laissons comme ça. Et j'ai presque envie qu'on fasse pas les qu'on fasse pas les 200 ce mois-ci. Comme ça, hop, dégagé. Non, vous allez voir. Tout le monde va s'y mettre. On verra, on en parlera seulement dans l'émission. Mais même pas, je pense que je vais même pas casser les couilles avec ça. Hein. Ça sera vite fait. Vendredi, on va juste évoquer le sujet. Voilà, balala, bim, badaboum. Et puis voilà. Si tout le monde me met un peu du sien, c'est bon. Et si tout le monde se dit de toute façon, on s'en bat les couilles, et ben voilà, on les oui. Pardonner. Merci beaucoup, Play Shopping, pour son Tipeee de la soirée. Voilà, ça permet de clôturer un peu cette soirée un peu en avance. Tipeee, un petit Tipeee façon Rocky. C'est bien, c'est rigolo ça, un petit Tipeee façon Rocky. qui sont les Rocky? Qui sont les Rocky? Non, qui sont les Tipeee? Tes meilleurs amis? Si toi aussi tu pouvais faire un Tipeee, tu entendrais Rocky. Ouais, je sais, j'ai hésité hein, à tout claquer pour la chanson, puis je me suis dit, ah, on va rester encore un peu sur les reviews, puis on va attendre un peu. Ah. Ok, il n'y avait pas beaucoup de monde en ligne aujourd'hui. C'était pas assez putaclic, j'en aurais... Ah, pour les sexdolls, il y avait du monde. Non, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup qu'on... J'avais mis sur le... Sur JT du Geek, comme quoi il y allait avoir un live ce soir, mais je pense beaucoup ont oublié. Et même Michael, il va arriver là, regarde à la fin. Michael va arriver dans 2 minutes, là. On dit, il y a un live, et on dira, mais Michael, c'est fini. C'est la fin. C'est pas la fin, on se reverra mercredi prochain, on est d'accord. Mais voilà. Peut-être dimanche, si on a les 200 followers. Combien on est de followers, moi? 291. Ça, c'est tout doucement. Si on fait les 200 avant dimanche, non, si on fait les 300 avant dimanche, live. Si on fait pas, semaine prochaine, ou semaine d'après, ou dernier dimanche du mois. Bon, est-ce qu'il y en a qui ont des petites questions, des remarques, des suggestions ou des sujets à évoquer avant que l'on se quitte? Qu'est-ce qu'il est bien ce fond vert? Qu'est-ce qu'il est beau ce fond vert en vert comme ça, en rose? Ça met en avant toute ma virilité. Je regarde un peu s'il y a eu... Ouh. Oh, hey Rocky, merci à Shadow pour ce petit Rocky. Alors ça c'est pour la clim, ça c'est bon, ok. Oui, bah oui, mon aspirateur est en vrac parce que faut que je mette le rideau et tout, bah, je me suis battu quand même. Merci pour le chat, merci pour ça. Bon, je vois qu'il n'y a plus de commentaires, donc nous allons arrêter ce live ici.
afin de que ça ne soit pas trop redondant, et finir sur un live dynamique, bien évidemment, et non pas un live qui attend que les deux minutes qui restent à essayer de meubler, à vous raconter des trucs dont en fait ça vous intéresse pas, puisque tout ce qui vous intéressait a été évoqué, vous n'avez même pas une petite question. Donc, sur ce, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon mercredi. On se retrouve vendredi pour JT du Geek, il y aura certainement un enregistrement sur Twitch, c'est normal. Dimanche, si on a atteint les 300 followers, sinon ça sera le dernier dimanche du mois. Et là, il y aura des cadeaux à gagner. Je vous rappelle, il y aura toujours une batterie externe. Je suis parti en vacances, elle est vraiment bien cette batterie externe. Imu, on va avoir, mais je pense que si on la relance, on pourrait les avoir. Je pourrais peut-être même essayer de relancer EZVIZ, EZVIZ. Puisque EZVIZ m'ont proposé leur nouvelle EZVIZ Elite. C'est la toute nouvelle apparemment, qui a l'air trop trop bien. Et je pense qu'eux, ils seraient chauds aussi pour vous offrir des caméras, parce qu'elle est assez motivée, la meuf. La meuf a... C'est-à-dire, ils ont quand même payé la review au mois de novembre. Ils ont payé la review au mois de novembre, ils m'ont envoyé le produit que maintenant. Pour vous donner une idée du niveau des mecs maintenant qu'on a. C'est-à-dire, les meufs, ils payent, après, ils disent, ouais, on verra plus tard. Vivement que tu vas faire la review de projecteur. Alors la vidéo du projecteur sera finie certainement. Je ferai la voix demain, le montage vendredi. Non, il y a juste une qui vendredi. Le montage avant la fin de la semaine prochaine, avant la fin de la semaine. Et la vidéo pourrait tomber début de semaine prochaine, puisque le projecteur devait être pour le 18 à la base, mais le purificateur d'air qui est pour le 15, il est reporté lui au 21. Donc je pourrais intervertir et mettre plutôt le projecteur le 15 et le purificateur d'air, bah rien, ouais, non, truc, et mais essayer de placer autre chose. Les serrures, j'attends, peut-être le 18, et puis l'air purifieur le 21, mais le problème c'est que le 21, j'ai aussi le Midea S8 Plus, sauf si elle change d'avis, et normalement le 25, on a la review du Black Shark, le Black Shark 4 Pro qui est prévu pour le 25. Problème, j'ai pas reçu le téléphone. Donc moi je veux bien faire la review pour le 25, mais ça serait bien que je reçoive le téléphone un petit peu avant quand même. Si je reçois après, ça complique tous les trucs, parce que avec les problèmes de temps, de machine et tout, voilà quoi. La DeLorean, tout ça, c'est compliqué. Bien, je vais regarder le replay. Très bonne idée. J'aimerais t'envoyer une enceinte avec les frais de port. Pio, merci la poste. Je viens de croire qu'en Thaïlande, ça doit piquer un peu. Et tu peux pas la faire envoyer en drop and ship depuis la Chine? Si cette enceinte, tu la connais, que tu la vends ou que tu fais quelque chose, fais-la partir depuis la Chine vers la Thaïlande. Ce sera peut-être un peu moins cher. Je vais acheter. Ça donne envie. Oh oui, ça donne envie. Oui, j'aime donner envie. Vous me faire envie de pitié, disait l'adage. Bon, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Moi, j'ai passé une excellente heure avec vous, comme ça. Merci pour vos commentaires, merci pour vos Tipeee, merci pour vos diamants, merci à la modération, merci, merci l'ami. Et à vendredi. Allez, forcément, je vous kiffe. Bonne journée à tous. Merci pour les diamants. Allez, c'était vraiment très bien. J'espère que vous aussi, si c'est ça le cas, voilà. Si tu ne pouvais rien faire, faites un petit Tipeee, 1 €. Tous les nouveaux, pas les anciens. Les anciens, vous n'avez plus le droit, c'est interdit. Voilà. Mais les nouveaux, vous pouvez faire un petit Tipeee. Il y a le lien dessus. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.